Donc, aujourd'hui, on fait un petit tirage. En fait, les tarots que j'ai utilisés, le premier, c'est celui de Julie Le Sage. En fait, je vais vous le montrer comme ça parce qu'il n'y a pas de pochette dessus. Donc, vous voyez pourquoi c'est intéressant. C'est notre artiste peintre visionnaire qui me vend au Québec. Je vous invite à aller sur sa page web qui est www.julie.ca. Donc, si vous voulez vous contribuer à l'oracle. On va voir aussi l'oracle des miroirs que j'utilise quotidiennement, l'oracle de la triade aussi. Puis à la fin du tirage, on aura une réponse oui ou non, une réponse angélique que vous avez donnée là-dessus. Donc je vous invite à penser déjà à la question que vous allez vouloir poser à nos guides, à nos équipes de lumière qui vont être présents. Aujourd'hui avec nous. Donc, pour la thématique de la journée, pour la thématique, vous savez, hein, prenez ce qui vous parle. Ah, on a deux cartes qui sont sorties. Donc, on a inspiration de la source par soi. Hein, laissez l'inspiration monter jusqu'à vous ou descendre, c'est selon. Puis, on a la carte qui est protection, gardienne de l'essence du cœur. Regardez comment ces cartes-là sont magnifiques. Si vous regardez celle-ci, la protection, vous voyez avec l'épée de l'archange Michael. Donc, c'est très intéressant. Puis, ici, inspiration, hein, la fleur de vie juste au-dessus, là, qui est un élément de géométrie sacrée qui se trouve à être partout. Donc, si vous connectez votre inspiration, vous allez recevoir des informations déjà là-dessus. Puis, vous allez être protégé dans ces éléments-là que vous avez. Avec cette carte-là. Donc, c'est ces éléments-là aujourd'hui que le tirage va se dérouler. Donc, si on débute avec cette fois-ci, on va y aller avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter ont besoin de savoir entre le 24 août, 2023, relativement à l'inspiration reçu de la source par soi et la protection gardienne de l'essence du cœur. Hein? Donc, on va aller voir ce que l'oracle de la triade a mentionné concernant ces éléments-là. Vous savez, hein, avec l'artiste ou l'énergie, je connais aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de suivre son inspiration, de suivre ses ressentis. Vous avez déjà tout en votre cœur, qui va être en mode. Ici, on a la première carte, la carte du voyage. On l'a tirée cette semaine, cette carte-là. Hein? Vous savez, hein? Cet élément-là, il y a un point focal dans ces temps-ci, cette semaine, où est-ce qu'on se retrouve en notre centre, on est en mesure de savoir vers où on se doit d'avancer, vers où on se doit de gagner notre voyage de vie, notre mission de vie. Hein? Moi, je le mentionne souvent, mon rôle, c'est de vous aider à aiguiller vos tracts pour que vous soyez en mesure de soutenir votre mission de vie. Pour être en mesure de vous soutenir dans votre mission de vie, vous aider dans votre alignement, pour être en mesure de recevoir par vous-même, de devenir responsable de votre énergie, puis aussi de devenir autonome avec différents outils que vous allez pouvoir accumuler. Il y a différents éléments c'est intéressant aujourd'hui, la porte étant donné qu'on a une inspiration de source vers soi. Hein. Si vous regardez, ça veut dire que derrière la porte, vous avez un chemin, vous avez un élément de créativité qui se présente à vous aujourd'hui. Donc, vous allez être en mesure, n'oubliez pas, hein, vous êtes protégé dans ce que vous allez recevoir. Donc, si vous gardez en fait que les portes vont s'ouvrir à vous, vous allez être agréablement surpris de ce qui va pouvoir se présenter à vous. Ici, on a le désert. Hein. Derrière la porte, là,
moi, le désert, pour moi, c'est pas le néant. C'est l'infini, en fait. C'est l'infini lorsqu'on parle du désert pour moi, où est-ce que lorsqu'on est en mode où est-ce qu'on recherche une inspiration, on recherche un signe pour savoir vers où avancer dans la vie, à ce moment-là, sachez que lorsque vous décidez de traverser cette porte-là, en vous sachant bien protégé, vous allez être en mesure de vraiment à traverser le désert et être vraiment dans l'infini vers ce vers quoi vous devez aller. Vous allez avoir l'inspiration qui va venir à vous-même. On mentionne aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes accompagné de la source. Faites vos demandes toujours à partir du cœur. Sans que vous prenez un instant pour prendre une grande respiration. Puis une fois que c'est fait, n'hésitez pas, mes amis, soyez dans l'abondance. Oubliez ce volet-là, si vous êtes dans la nécessité. Hein. Pour ceux qui ont écouté ma vidéo que j'ai postée hier sur la loi du détachement, ne soyez pas en train à rechercher un résultat. Ne soyez pas dans la nécessité. Faites une demande, puis par la suite, là, soyez prêts à ce que la vie va avoir à vous offrir. Oubliez le volet, que ce soit pour une nécessité de gagner de l'argent, pour une nécessité d'avoir avoir un statut social. N'hésitez pas à aller au-delà de vos capacités, puis de ne pas être attaché aux résultats. Donc, allez-y. Puis, à ce moment-là, en étant vraiment détaché totalement du résultat, vous allez mettre zéro d'adversaire chaos, mais en fait, on peut le voir, la manière dont je le vois avec la séquence des cartes que nous avons aujourd'hui, c'est que vos adversaires vont s'incliner, en fait, les énergies qui seraient négatives, puis qui seraient pour un nom, pourquoi là, ça peut être dangereux, pourquoi là, tu réussiras pas, il n'y a pas d'argent à faire dans ce secteur-là, tu vas te brûler les ailes, c'est trop loin, bon. vous avez les différents éléments qui peuvent s'appliquer, ben, sachez que si vous êtes tout au niveau de la nécessité, puis vous laissez le détachement au résultat de côté, à ce moment-là, vos adversaires vont seulement s'effacer de votre chemin et vous allez retrouver votre boussole dans votre propre voyage de vie parce que vous êtes protégé selon les cartes qu'on a vues tantôt. Hein, vous êtes protégé dans vos inspirations. C'est le climatique de la journée aujourd'hui du 24. Vous savez, ça peut être une journée avant, ça peut être une autre journée par après. Donc, vous voyez, on est avec l'oracle miroir qui parle de beaucoup de vie, c'est encore la même chose. Hein? On vous le répète avec le deuxième moment que vous avez. Vous êtes protégé dans vos éléments, des énergies qui peuvent venir jouer dans votre course, on peut dire de cette façon-là. Donc, n'hésitez pas à oser à vous imprégner de l'énergie qui est présente actuellement, qui est dans l'expansion de soi. Essayez de construire ce que vous n'avez plus besoin. Puis vous allez recevoir le message. Moi, j'entends correspondant, je ne le vois pas seulement que non, je le vois vraiment. Vous allez être inspiré par. Hein? On a exactement les mêmes cartes avec deux oracles différents. Si je vais ici, on a la protection, puis on a le bouclier. On a la protection de le bouclier, puis ils sont dans la correspondance, puis l'inspiration de la source. C'est exactement le même message. Donc, soyez sans crainte. Hein? On a les deux éléments, les deux oracles qui nous disent la même chose. Votre inspiration, là, c'est le bon moment. Si vous l'entendez, osez, allez-y. Faites-le à petit pas. Hein? C'est un morceau de pierre à la fois, vous allez ouvrir le chemin dans vous. Donc, allez-y sans crainte dans votre choix. Puis, n'ayez pas peur du travail que ça va vous apporter. Parce que vous voyez, hein, il y a un engrenage sur la photo. Là. Lorsque votre premier pas va être fait, l'engrenage va se faire. L'engrenage va se mettre en place. Donc, le projet que vous allez mettre de l'avant va se créer de manière soutenue de la source. Hein. Si on revient encore à la carte d'inspiration du départ, vous allez être soutenu par l'inspiration
de l'action vers soi. Donc, les messages, l'inspiration, les idées vont venir à vous. Si vous avez un projet qui est en cours de démarrage, allez-y. C'est la joie. C'est la joie. Vous allez être dans la joie, vous allez pouvoir célébrer. Parce que c'est exactement ça qui s'en vient faire pour vous aujourd'hui. Si vous avez mis en place des projets, si vous avez un projet qui s'en vient au cours du week-end, vous allez être protégé, vous allez être inspiré, puis en plus, vous allez pouvoir célébrer d'avoir été aussi bien accompagné durant les journées qui sont à venir ou pendant la création de votre projet. Donc, il faut aller de l'avant. On ose aujourd'hui, on est le 24 à août, on ose, c'est la rentrée scolaire bientôt pour plusieurs, puis regardez la chance qu'on voit avec le trèfle, on voit avec la coccinelle, le cœur, le niveau de l'ancrage pour le cheval, le fer à cheval, on est ici, donc je n'hésitez pas. On est dans une période qui est chanceuse, ça fait allez-y, il n'y a rien d'autre à dire. Hein? Vous avez un super de beau sérum aujourd'hui. On a la double protection, on a la double élément d'inspiration qu'on a reçu dans différents, dans les deux horaires qu'on a utilisés. Puis on a en plus la personne qui nous guide toujours vers le bon choix, qui vont nous mettre en plus de côté tout ce qui pourrait être un index. Donc, c'est parfait. Une dernière carte, l'amour. Oui. Soyez dans l'amour de Dieu. Soyez bienveillants de Dieu. Allez-y, vous êtes accompagnés. Vous êtes accompagnés de vos guides, vous êtes accompagnés de vos actes de lumière qui vous accompagnent. Vous êtes accompagnés de vos personnes qui vous accompagnent. Allez-y. Donc, maintenant que je l'ai dit que ça allait être incroyable, vraiment incroyable, je le répète souvent, vous voyez, la réponse c'est oui à votre question. Je n'ai même pas besoin de vous tirer parce que c'est tout de suite la carte qui est sortie à ce moment-ci. Donc, c'est un gros oui, hein. C'est un gros oui, allez-y. C'est vraiment le mot-clé de la. Hein, je vous mets à la. Je vous mets au-dessus de compter le nombre de formes que je vais vous avoir dit dans la vidéo. Mais c'est vraiment l'inspiration que j'entends. C'est aujourd'hui, on est expansion, on est. Donnez carte blanche à l'infini, donnez carte blanche à l'univers, puis allez-y dans vos projets. Donnez-vous la chance de pouvoir vous être protégé, vous avez une équipe avec vous. Donc, lancez-vous dans la joie, dans l'amour, puis allez-y. C'est vraiment le mot qui me revient encore, que je répète, que j'entends de partout au niveau de ma canalisation. Donc, laissez-vous aller, puis vous allez sûrement être agréablement surpris de toutes les belles surprises qui vont se passer pour vous aujourd'hui, dans le théâtre ou dans les prochains jours. Merci beaucoup pour votre écoute, puis on se retrouve demain pour le tirage du week-end. Donc, bonne journée.